ventre bleu. On sera vraiment au paradis. La mort de la jeune Ivoirienne Bébé Kala, la petite sœur de Didier Arafat, nous interpelle les jeunes. Avant de vous donner les raisons, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Ok. Regardez également ceci. Aujourd'hui, je fais cette vidéo-là parce que lorsque Kala a fait sa publication où elle a dit qu'elle est décédée, et puis après, elle est venue écrire un post pour dire que c'était un poisson d'avril, je suis allé mettre un commentaire où je l'ai insulté. Aha. Mais voici. Ah. Votre Amber Rose est là. Hey. Donc pendant tout ce temps, tu nous as menti. Ouais, je suis là. Voilà. Mais voici. En chair et en os. Quitte là-bas. Vous pensez que je suis morte? Je suis là. Je suis là, belle et loup. Tu dois payer bientôt là. En tu dois payer. Bébé Kala. Ton homme, voilà, comme ce jeune Camerounais qui a la conquête des vues tous ces derniers temps-ci, qui a annoncé sa mort, faisons très attention, on ne joue pas avec la mort. C'est vrai. Voilà Bébé Kala qui avait également annoncé sa mort il y a de cela un an. Puisqu'elle était à la conquête de la visibilité, elle avait dit qu'elle était décédée. Elle avait posté sur sa page Facebook. 9 mois plus tard, la mort, la vraie mort, a toqué à sa porte. Vous aimez voir avec les yeux? Parce que dès qu'on vous parle, non, c'est rien, je maîtrise. Même quand cette mort frappait déjà sa porte, elle ne comprenait toujours pas. C'est ça, sexy là. Jésus! Mon frère. Maintenant, chers parents, je vous invite à écouter attentivement ce message. Mais j'aimerais ici m'adresser à toutes ces mamans-là, à toutes ces femmes, à tous ces parents qui nous regardent. Aujourd'hui, les gens me posent la question de savoir, mais comment se fait-il que à chaque fois, je valorise ma mère et j'essaie de lui montrer combien de fois je l'aime? Pourquoi? C'est parce qu'il n'y en a qu'une seule mère. Il y en a peut-être plusieurs enfants, mais chaque enfant est particulier devant les yeux de nos parents. Apportez beaucoup d'amour à vos enfants. Dites-leur que vous les aimez, ça y va de leur réussite et de leur durée sur cette terre. Ça, c'est clair! Mais je m'adresse ici à toutes ces femmes, à toutes ces mères qui ont du mal à dire je t'aime à leurs enfants. À toutes ces mères qui ont du mal à apporter de l'amour à leurs enfants. À toutes ces mères qui aiment leurs enfants, mais qui ne sont pas capables de les dire ouvertement. Ah, ah oui. J'aimerais ici ce soir, devant la face du monde entier, vous dire, avant que la vie ne soit trop tard. C'est la magie! Je dis bien, avant que la vie ne soit trop tard, apportez de l'amour à vos enfants. Que quoi? Apporter de l'amour à vos enfants. Vous comprenez dans la compréhension? Oui! Voilà, chers parents, la réussite de nos enfants dépend de notre éducation. Oui! S'il vous plaît, veillez donc à l'éducation de vos enfants, car l'avenir de demain repose sur ses enfants. Ça, c'est clair! Mais vraiment, on a beaucoup souffrance, on a beaucoup eu la tort. Oh, pays! Je suis père! Avant de continuer, écoutez attentivement ceci. Tu es promoteur culturel, tu es artiste et musicien, producteur ou réalisateur ou encore écrivain. Vous cherchez une belle salle pour présenter vos œuvres. Contactez rapidement les Las Vegas situés au niveau de Pont Emana à Messassi, derrière Amouba à Yaoundé. Vous voulez organiser également vos événements tels que le mariage, le baptême, l'anniversaire ou d'autres événements. Contactez les Las Vegas pour la location de la salle. Une salle climatisée avec des jeux de lumière importés. Les Las Vegas met à votre disposition un DJ, des couverts, un tapis rouge et des chaises royales. Les Las Vegas, c'est également l'hébergement, la restauration et un snack VIP pour vos divertissements. Contactez rapidement ce numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations. Ok. Que je sois une mauvaise mère, c'est l'argent de mon art là qui a maintenu ma fille à l'hôpital. C'est l'argent de mes affaires qui ont fait que j'ai payé les factures de mon enfant. Aucun Ivoirien m'a donné une aide, c'est pas Hassan Nayek qui m'a aidé. Pas un parent.
même pas ma génitrice. Je suis révoltée et fâchée des Ivoiriens. Je demande à toute personne qui va m'insulter de se désabonner de ma page Sina Glamour. Même si vous êtes deux personnes, ça me suffit. J'en ai marre de vous tous. Je ne vous aime plus. Je ne suis pas votre chiffon, mais votre porte-clés. Perdre son enfant. Votre deux corps. Est-ce que vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Quoi, ma fille de 22 ans est décédée. Mon fils de 33 ans est décédé. Vous êtes là, vous vos sales gueules. Prendre vous-même, vous venez sur ma page pour m'insulter. Il faut féliciter les gens qui te critiquent parce que abandonner sa vie pour s'occuper de la vie de quelqu'un, c'est tout un exploit. Alors bravo à ceux qui critiquent. Félicitations, vous êtes des durs. S'abonnez-vous, likez et partagez si vous avez aimé cette vidéo. S'abonnez-vous. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.